Réunissons-nous pour relever les défis. C'est le thème retenu par le syndicat national de la Poste pour son deuxième congrès. Le compte-rendu dans ce reportage de Charles Obamendor et Médard Engham. Réunissons-nous pour relever les défis. Un thème tout à fait évocateur pour un syndicat qui aura été dans la tourmente pendant un peu plus d'une année. Période durant laquelle le climat à l'intérieur de la corporation et les relations avec le patronat s'étaient considérablement détériorées. L'occasion est donc toute offerte au syndicat national de la Poste au cours de ses travaux de pouvoir reconstruire. Il y a un certain nombre de choses aussi que nos camarades nous reprochent. C'est une organisation humaine. Et donc, c'est l'occasion donnée pour qu'on regarde un peu s'il y a des retouches à faire, les congressistes le feront. Et par rapport à la direction aussi, il faut regarder, compte tenu aussi de la manière dont elle se comporte, essayer de voir et adapter certaines stratégies pour pouvoir affronter l'avenir. Mais comment restaurer la confiance et renouer le dialogue social avec une direction générale qui semble à fond aux lamentations du syndicat et à un appel à la concertation? Nous avons une direction générale qui est imperméable au dialogue social, c'est tout ce qu'on peut dire. Et nous sommes ouverts en ce qui concerne les partenaires sociaux, mais la direction générale reste fermée. De toute évidence, les assises de ce deuxième congrès devront aboutir à une réorganisation de la structure syndicale et à la prise de nouvelles résolutions.